Flipper est un pâté de crabe qui essaye de trouver sa place dans la grande ville. Mais cette histoire n'est pas une aventure comme on a l'habitude d'entendre. Ça ne sera peut-être pas facile pour Flipper de faire son chemin dans ce nouveau monde, mais grâce à l'aide de son meilleur ami Jagger et à ses nouveaux amis de son travail chez Nickelodeon, il va vite devenir le plus citadin des pâtés de crabe en un rien de temps. Voici les chroniques du pâté de crabe. Comme les fêtes approchent, je voulais trouver quelque chose de sympa pour Jagger et Felicia. Je suis donc allé voir dans un magasin dédié à Noël juste à côté du bureau. Il y avait tellement de choses que je ne savais plus où donner de la tête. Plus je regardais, moins je trouvais ça original de leur offrir une de ces petites babioles. Et le magasin n'était vraiment pas agencé pour un pâté de crabe. Alors que je cherchais ce qui pourrait leur faire plaisir pour les fêtes, je me suis souvenu des bons moments passés ensemble l'an dernier, quand on avait pris des cours de danse, passé une journée au parc, appris le karaté, ou la fois où ils m'ont fait peur avec la blague du faux fantôme, ou quand on a joué au ping-pong ensemble. En repensant à tout ça, je me suis dit qu'au lieu de leur acheter un cadeau, je ferais mieux de leur offrir un souvenir inoubliable, parce que ce n'est pas vraiment les objets qui comptent, mais plutôt le plaisir de faire des choses ensemble. Pour Jagger, j'ai choisi de l'amener voir mon film de Noël préféré, Albert. Et Felicia nous a accompagnés. C'est une très belle histoire. Je crois que la fin a vraiment ému Jagger. Pour Felicia, j'ai pensé que ce serait chouette de faire une chose que j'ai toujours vue dans les films. Une balade en calèche à travers Central Park. Comme c'était plutôt romantique, on n'a pas invité Jagger. Et c'était magique. Felicia m'a dit que de tous les cadeaux qu'elle avait reçus dans sa vie, celui-ci était son préféré. Je lui ai répondu que de tous les pâtés de crabe que j'avais rencontrés, elle était ma préférée. Du coup, j'ai recommencé. Je lui ai demandé de m'épouser. Et le plus fou, c'est qu'elle a dit oui. Je lui ai demandé « T'es sûr ?» Elle m'a répondu qu'elle l'était. Tout le reste de la balade, on était tous les deux sur un petit nuage. Le lendemain, quand j'ai annoncé la bonne nouvelle à Jagger, il était tellement content qu'il s'est mis à pleurer. J'ai l'impression que les fêtes le rendent un peu sensible. Et voilà, encore une journée dans la vie d'un pâté de crabe qui découvre la ville. À demain pour des aventures qui envoient du pâté.